Merci beaucoup à Touron. Et tu es sur le panel parce qu'il y aura des rebondissements. Le sujet est toujours d'actualité. Allez-y, monsieur, comme elle a dit. Merci beaucoup. Merci. Vous m'attendez? Bon, ce soir, j'ai décidé de prendre la parole parce que je veux que tout le monde m'écoute très bien. Je veux pas de questions. Je veux pas qu'on me pose des questions. Je finis de parler et je descends pour ne pas que au pire on puisse me cibler moi aussi. Et parce que déjà sur ce panel, il y a 3-4 autres personnes qui sont connectées. Et moi, je suis RHDP de avant la CAN. Et depuis la CAN, je ne suis plus RHDP, mais avec les vidéos, précisément de La Lyon, Kone Suleiman et sur les Paris, les trois ont réussi vraiment à m'enlever de là. Et aujourd'hui, je suis en train de signer peu à peu mon entrée au GPS. Et je demande beaucoup pardon à La Lyon, beaucoup pardon à sur les Paris. Ça mérite des applaudissements, le B52. Tu n'es pas là, oui. Je veux que Sulo soit là avant que je ne parle. Si Sulo est là, vraiment, je vais. Sulo est pas là, je suis avec mon Bluetooth. Ça mérite des applaudissements. Mais ça mérite des applaudissements, c'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas entendu. Reprends le frère. Ok. Je disais, moi, étant au RHDP. Étant au RHDP, jusqu'avant la CAN, c'est là que j'ai pu m'en sortir de là. À cause des vidéos de ceux de Paris, Babo Kone et La Lyon, parce que c'est les trois que je suis beaucoup. Et notre rôle au sein du groupe était, bon, disons notre mode de fonctionnement, c'était, on a une liste qu'on doit signaler. Une liste de vidéos. Donc, quand la lettre est lancée, tout le monde doit se grouper sur la page et signaler. Attends. Le B52, tu enregistres là? Jamais mis fait quoi. Ma vidéo est systématiquement sur ma page, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Okay, parce que je n'ai pas duré. Parce que là, ma vidéo est systématiquement sur ma page, donc je vais. Voilà. Je ne vais vous inquiéter pas. Il peut être je vais pas duré, je vais parler vite parce que déjà, il y a d'autres personnes qui sont sur la page. Ils ne veulent pas qu'on me cible, ils ne veulent pas qu'on me reconnaisse. Donc, je vais parler vite et puis quitter. Arrêtez voilà. De le couper, il n'est qu'à aller comme ça, on va truc. On a voilà. Personne ne le coupe, laissez-le parler tranquillement. La vidéo, elle est automatiquement enregistrée. Allez-y, monsieur. Ok, d'accord. Nous avons une liste de sur Facebook, TikTok, que nous devons signaler. Donc, quand on lance, le message arrive automatiquement à tout le monde. Et du coup, tout le monde vient signaler. Et on doit faire tomber la page. Et on a une semaine pour faire tomber la page. Nous avons des portables. Il y a des gens qui ont au moins 10 pages Facebook, 10 pages TikTok. Donc, quand c'est lancé, c'est comme c'est une application, en fait, qui est lancée, qui a été créée et tout le monde est là-bas. Donc, quand le message vient, tu ne peux pas répondre, mais tu peux, voilà, tu reçois, mais tu ne peux pas répondre. Donc, du coup, on a le BS qui est le boss. Et puis, on a le GBS qui est le grand boss. Donc, celui qui est le BS, lui, on le connaît. Moi, j'étais un BS, mais il y a le GBS qui sont les grands boss. Eux, ils sont chargés de communiquer et aussi rendre compte à leurs supérieurs. Donc, du coup, nous signalons les directs. Donc, ce soir, je voulais vraiment demander pardon à ceux de Paris, La Lyon et Babo Kone, à beaucoup d'autres personnes, mais particulièrement La Lyon et Soulé, parce que nous avons signalé, j'ai trop signalé vos directs. On a fait tomber trop de comptes. Mais aujourd'hui, nous, au sein même du parti, beaucoup le regrettent aujourd'hui. Beaucoup regrettent. Mais on était obligé de le faire pour avoir des miettes. Est-ce que vous voyez? On était obligé de le faire pour avoir des miettes. On pensait peut-être avoir bien fait. Mais au sein même de RHDP, beaucoup ne peuvent pas parler. Sinon, beaucoup aujourd'hui regrettent, comme je vous le dis. Ça, je vous le confirme. Le travail que vous faites là, ça paye. La preuve en est que moi, je suis quitté là-bas. Donc, vraiment, soyez vraiment prudents. Et j'ai suivi toute la semaine les directs de Soulé. Ce qui s'est passé hier, avant-hier, pour ne pas revenir sur ce qui s'est passé avant-hier, là, comme la Lyon l'a dit. Nous avons la liste de tous ceux qui mangent avec le parti. Nous avons la liste de tous ceux qui mangent avec le parti. Même les artistes, nous avons la liste des artistes. Avec qui, ceux qui sont pour, ceux qui sont pas, ceux qu'on doit condamner, ceux qu'on doit bombarder, ceux qu'on doit, on doit lever, ceux qu'on doit pas lever, ceux qu'on doit liker, ceux qu'on doit pas liker. Il y a beaucoup de conditions là-bas. Beaucoup de conditions. Quand le message arrive, tu es comme un robot, tu dois seulement travailler.
Ce que l'UNIC est en train de faire en bas là, c'est ce que les gens n'aiment pas en fait. Ce que l'UNIC est en train de faire, mais les trucs là, les gens voient ça en foutaise, genre en comique, non. C'est ce que les gens n'aiment pas en fait. Et quand c'est comme ça là, on te signale fort même. On te signale fort. Donc vraiment, je voulais demander pardon à tout le monde. Je vais aller chercher sur la page de Soulé, avoir son numéro, WhatsApp, échanger avec lui sur beaucoup de choses. Parce que ici, je peux pas trop parler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire ici. Mais le baba va tomber. Parce que la peur a changé de camp. Beaucoup ont changé. Le jour, je me rappelle, c'est l'année, je passais quelle année, quand le président Soro a fait son discours, quand il était à Paris. Je me rappelle pas trop de la date. Ce jour-là, si vous avez remarqué cette période, beaucoup de pages ont tombé. Si vous avez même Soulomé, il a eu des problèmes à cette période-là. On a signalé de, on commence le matin, on bombarde jusqu'au soir. Et ça, c'est pas seulement les cyberactivistes, même les artistes sont dedans. Les artistes sont dedans. Mais aujourd'hui, même quand on est entre nous et que nous parlons, on discute de ça, on sait que c'est comme ce qu'on est en train de faire n'est pas bon, mais hey, tu gagnes des miettes là-bas. Donc, c'est ça. Et tu vois. Donc aujourd'hui, beaucoup aussi ont décidé de ne plus faire partie de ça. Donc on fait semblant de trucs pour pouvoir gagner le mougou mougou, mais vous voyez que maintenant vos pages ne sont plus signalées comme avant. Parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. Sur le moment où Soro était à Paris, on était plus de 400 personnes. On était sur vos pages. On était 400 personnes. Et même les artistes, je peux vous faire la liste des artistes qui mangent avec eux et ceux qui ne mangent pas avec eux. Vous pensez que si Alpha, il critiquait le parti pendant la CAN, on allait l'inviter pour chanter. Vous savez combien de millions il a pris là-bas? Alpha sont cachés seulement pour venir faire un petit concert minimum, c'est 60 millions. Alpha. Mais vous pensez que se déplacer quand venir là-bas, là, c'est pas plus de 100 millions leur donner. Le moment où on donne les 120 millions aux Nigériens, là, vous pensez qu'il n'a pas eu plus de 100 millions? Qui va réussir devant 100 millions? C'est ça le bas blesse. Ceux même que les gens pensent qu'ils sont, ils sont bien, ils sont contre le. Et tous mangent là-bas. Les gens mangent, ils mangent là-bas. Et puis c'est pas petit jeton. Nous, c'est les mettre en gang, sinon les gens mangent là-bas. Les gens mangent. La liste, tout est là. Mais la peur a changé de camp. Même ceux même qui étaient les GBS, eux-mêmes qui sont les grands boss là, eux-mêmes là, ils savent que la peur a changé de camp. Ils savent que le danger est là. Mais aujourd'hui là, chacun se cherche. Si ça fait peur aujourd'hui là, je vous jure, et tous sont le visage actuellement. Si ça fait peur là, il n'y a pas un qui va rester pour dire non, je veux combattre, c'est faux. Mais moi, mon changement de camp, quand j'ai fait mes analyses, moi seul, la seule personne qui aujourd'hui, que le RHDP a peur, quand nous-mêmes là, on se trouve, on tourne pas, on échange, on parle, c'est Soro. Gbagbo là, laissez tomber. Gbagbo ne peut rien dans ce qui se passe. C'est pas parce que Soro est violent que Gbagbo n'est pas violent, c'est pas ça. Mais Gbagbo, il ne peut rien dans le système. Celui qui a mangé, celui qui a parlé, qui connaît le rouage autour de Dalassane, c'est qui? C'est Soro. La seule personne, quand on dit Soro, ça tremble. Du petit jusqu'en haut. Si ça s'est dépeint, c'est gâté. Mais moi, si j'ai caché un conseil à vous donner, les soroïstes, soyez forts, ayez un groupe WhatsApp. N'allez pas en rang dispersé. Quand il y a un sujet que vous devez aborder, sortez tous. Tous ayez le même sujet. Envoyez le message, comme nous fonctionnons. Envoyez le message automatiquement. Quand c'est reçu le groupe là, la lionne prend là-bas. La guerre prend là-bas, prend là-bas, prend. Ça fait effet. Même à la chose à l'Elysée, ça fait effet. Mais quand moi je parle du courant, toi tu parles de l'eau, l'autre tu parles de la rentrée de solo, tu parles de sortie de solo. Vous êtes divagué. Mais quand vous tous, vous prenez un sujet et vous restez dessus pendant 2 jours, chacun fait deux directs sur le même truc là, même ceux qui sont sur eux, ceux qui sont pas, qui vont venir. Tout le groupe, tous ceux qui sont RHDP, ils sont abonnés à vos pages. Même ceux sur la page de sous l'attirement, les gars sont là. Mes éléments sont là. D'autres vont me le connaître ou pas me le connaître. Donc, pour dire que
Même au sein, entre vous, faites très attention. Parce que ceux qui mangent avec nous, là, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Saoulés, tu dois faire très attention. Même quand tu marches, fais très, très, très attention. Parce que au RHDP, plus tu es violent, plus tu es payé. Plus tu causes des dégâts, plus tu es payé. Plus les gars te frapponnent, plus tu frappes les gars, plus tu es payé. La personne qui est plus aujourd'hui exposée sur le réseau, c'est Saoulé. Plus que tout le monde, les Gbagbo connaît, c'est des petits. On le voit comme c'est des bavards. Mais Saoulé doit faire très, très, très attention. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est au pays. Non. Ceux qui sont dans tes pas même. Ceux qui sont. Quand tu disais tout à l'heure que. Oh! Quand tu disais tout à l'heure que les gens. Tu as eu la chance de ne pas empoisonner ton pas truc. Tu n'as pas eu la chance. Tu as eu beaucoup de chance. Mais ils vont venir demander pardon pour intégrer le groupe. D'autres vont venir. Et regardez, d'autres vont venir demander, faire semblant de pardon pour revenir. Mais fais très attention. Les gens ne vont pas te rater. Ça seulement, si ils t'ont pris, ils ne vont pas te rater. Et ça va coûter de l'argent. Donc fais très attention. Moi, ma page, je finis tout de suite la page, même je vais dissoudre la page. Est-ce que tu vois? Je vais dissoudre cette page-là. Ce que je dis, beaucoup ont du gros sur le cœur, mais ils ne peuvent pas parler. Mais moi, aujourd'hui, grâce à la Lyon, grâce à Saoulé, je suis sorti de là et je ne peux jamais retourner. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Si je vais parler, même demain à 6 heures, on ne peut pas finir. Mais la peur a changé de camp. Ce qu'ils ont peur, là, c'est la masse. Ça, c'est le secret qui est là. C'est pourquoi on évite les marches. On évite les marches parce que les gens ne veulent pas la masse. Si les gens descendent dans la rue pendant une semaine, ne serait-ce que peut-être 2000 personnes, ça tombe. Parce que déjà, il aura une pression au niveau de là-haut, des Champs-Élysées, il aura la pression. Mais tant qu'il arrive à calmer, à faire le jeu, à mépriser les gens, c'est lui qui contrôle le jeu. Donc quand il arrive devant ses patrons, lui aussi, il dit, bon, voici le bilan, voici ce qui s'est passé. Quand on lui pose les conditions, il dit, je maîtrise. Et quand les gens voient effectivement, ils maîtrisent sur le terrain, il n'y a pas match, Gbagbo dort, Blé Goudé s'est allié, Blé Goudé mange avec eux, Blé Goudé s'est allié. Donc, il y a qui? C'est Soro. Tant que Soro n'est pas rentré, il n'y a pas match. Élection l'a oublié, il n'y a pas, élection l'a oublié. Même s'il y a élection, il passe. S'il n'y a pas élection, il passe. Parce qu'il sait que s'il a raté 2025, c'est le pays qui l'attend. Mais il n'aura pas élection. S'il y a élection, il passe. En brie. Malgré ce que ça va coûter. Mais c'est Soro. C'est Soro. C'est qui a fait que moi, je me suis adhéré à Soro. Je ne sais pas comment il faut faire pour pouvoir peut-être m'adhérer. Peut-être vous allez dire que je suis un espion parmi vous. Sinon que je n'allais pas le faire, je n'allais pas parler. Mais je parle, je n'ai pas peur. Je sais que c'est ma voix qui est là, je sais qu'ils sont enregistrés. Je sais même que ceux qui sont sur ce truc-là, ils sont venus m'enregistrer. Les deux petits, ils sont venus m'enregistrer, je sais ça. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Actuellement où je suis, ils ne peuvent rien. Ils sont à la frontière. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Quand tu parles par Alpha Blondy, Alpha Blondy, si vous ne connaissez pas lui son parcours, bien vous ne voyez pas, vous voyez Fologo. C'est un équilibriste. Il veut satisfaire ses fans qui sont les Ivoiriens. Il veut satisfaire les Soulés, ceux qui font les vidéos pour ne pas qu'on le critique trop. Il veut pas aussi décevoir, chose aussi de partir au pouvoir. Donc il faut être équilibriste. Donc il faut faire un petit message qu'il a fait là. Il peut pas aller trop en profondeur. Faut pas être trop léger aussi. Donc il se met au milieu là. Et puis il prend tout le monde. Il a pu se moquer de tout le monde, quoi. Est-ce que tu vois? Parce qu'il sait que s'il dit rien, jusqu'à ce que la semaine là passe bien, qu'est-ce que la semaine prochaine, les gens vont faire vidéo sur lui, il sait ça. Il sait que les gens vont dire qu'il n'a pas critiqué. Donc pour éviter que les gens l'attaquent, lui-même là, il dévance et puis il vient faire semblant de message. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a dit. S'il a dit ça lui-même, je connais. Afin d'appuyer l'argent comme avant. Tu sais là, la main il gagne, c'est comme ça, il dépense. Vous savez combien il dépense par jour? Garde le corps, manger, voyage, tout par là. Mais il faut faire rentrer l'argent. Il ne chante plus. Même s'il chante, ça ne prend pas. Il ne fait plus de conseils. L'argent sort, ça ne rentre pas. Donc c'est dans ça, lui, il mange. Il mange, il y a ceux qui sont là. Pourquoi vous voulez qu'il le critique? Il va pas.